il s'agit d'une vraie vocation parce qu'effectivement, garder des enfants peut être aussi passionnant que complexe. Et bien sûr, un diplôme en petite enfance permet de réaffirmer cette vocation. Bien écouter leurs spécificités, les spécificités du besoin qu'ils ont. C'est dans le quotidien, être disponible pour la famille dès qu'il y a un problème ou être disponible aussi quand tout va bien. C'est l'empathie, vraiment être à l'écoute de l'autre. C'est vraiment une relation de confiance tripartite, intervenant, entreprise et client. C'est le sens de l'humain, le sens de l'éthique. On ne se lance pas dans cette activité par hasard. La qualité la plus importante pour moi, pour travailler dans le secteur des services à la personne, est de se positionner dans une vraie relation de service avec la personne aidée. Pour moi, c'est la compétence. C'est faire bien au bon moment. C'est tout d'abord d'être à l'écoute de son client, d'avoir un comportement très respectueux de son environnement puisqu'on intervient chez lui. Pour moi, la qualité fondamentale qui permet de garantir la bonne exécution du service, c'est la rigueur. La qualité est plutôt deux qualités, c'est un savoir-être et un savoir-faire. C'est la fiabilité. On a besoin d'avoir des gens sur lesquels on peut compter. La fidélisation de l'intervention et donc de l'intervenant auprès du particulier employeur. D'abord, c'est être à l'écoute, je crois que ça c'est primordial. Avoir le respect de l'autre et une rigueur dans le travail. Tout tourne autour du savoir-être. Une relation qui s'installe avec le client, c'est absolument fondamental.